Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'un héros que je tease depuis maintenant quelques années. Tout simplement une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est la guerre de l'araignée. Alors tout d'abord la guerre de l'araignée, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment il y a le mot araignée dedans. Alors déjà la guerre de l'araignée en fait c'est l'une des trois c'est une période d'entre deux guerres, donc entre Warcraft 2 et Warcraft 3. Des vidéos que j'ai déjà faites du coup, hein, Warcraft 2, Warcraft 3. Je rappellerai un tout petit peu la fin de Warcraft 2, mais je vous laisse bien sûr aller voir ces vidéos-là pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais l'histoire de la guerre de l'araignée, alors il faut bien préciser que la guerre de l'araignée donc s'étale sur une période de 10 ans entre War 2 et War 3, mais au final, il y a deux guerres de l'araignée en gros. Il y a le conflit de la guerre de l'araignée qui ne dure que 5 ans, et la période plus large qu'on englobe en fait avec l'ascension au pouvoir du premier roi Lich, à savoir de Ner'zhul, sa montée en puissance, etc. et son plan de conquête pour la troisième qui aboutira à la troisième guerre. Du coup, là, cette vidéo, c'est la guerre de l'araignée, je vais parler de la période de 10 ans. Bien sûr, il y aura le conflit qui dure 5 ans, donc la moitié de la période, mais je parlerai surtout de la période donc d'ascension et du coup des 10 ans, tout simplement. Donc, moi, je parle de... Et même le manuel de Warcraft 3 a évoqué le fait que la guerre de l'araignée c'était les 10 ans, mais derrière on a reprécisé que le conflit lui ne faisait pas 10 ans, faisait 5 ans, mais voilà, on englobe souvent le culte des damnés, etc. dans cette même période. Donc ne soyez pas confus, je préférais désamorcer ça tout de suite. Donc, il y aura deux autres vidéos bien sûr sur l'entre-deux-guerres entre War 2 et War 3, mais là ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le destin de Ner'zhul à la fin de Warcraft 2 et son ascension en tant que roi Lich, et ce qu'il va faire, et tous ses actes qu'il va faire tout simplement pendant Warcraft 3. Donc, on va faire un petit rappel de la vidéo de Warcraft 2, mais bien sûr je vous laisse aller les voir. À la fin de la deuxième guerre, hein, donc... Ner'zhul est perturbé pendant son rituel où il voulait en gros ouvrir plusieurs portails dimensionnels pour permettre aux orques de fuir Draenor, et puisque Draenor mourait petit à petit, mais malheureusement eh bien, il va être perturbé dans son rituel, notamment par Khadgar, et donc eh bien, son rituel va échouer, enfin il va semi-échouer, enfin si, c'est quand même un échec. En gros, eh bien, il va réussir à ouvrir les portails, mais le problème c'est que ça va détruire le monde de Draenor. Le monde est en train d'imploser en fait. Donc Draenor, la terre natale des orques, explose, est en train d'exploser, c'est un cataclysme terrible. Et en gros, Ner'zhul et ses ritualistes, Ner'zhul et ses acolytes, donc qui sont à la fois des warlocks, donc des sombres sorciers, des chevaliers de la mort également, les premières générations, je vous laisse d'ailleurs la vidéo sur les chevaliers de la mort, vont suivre Ner'zhul à travers les portails dimensionnels. Le problème, c'est que, eh bien, ils vont se retrouver dans le néant distordu, et il y a Papa Kil'jaeden qui fait coucou. Vous pensiez m'avoir oublié? Eh bien non, je suis là. Alors Kil'jaeden, pour le rappel, c'est tout simplement l'un des deux grands généraux de la Légion Ardente. Donc le bras droit ou le bras gauche, en fonction de ce que vous préférez, parce qu'il ne faut pas oublier Archimonde. Mais du coup, c'est le bras gauche, on va dire, le bras spirituel, rituel, etc. etc. donc de la Légion Ardente, donc les démons. Et ne l'oublions pas, notre cher Ner'zhul, il avait fait un pacte avec Sargeras au moment où la Légion Ardente voulait utiliser la horde des orques pour pouvoir détruire, en fait, pour pouvoir affaiblir le Azeroth, pour que justement eh bien, la Légion Ardente puisse envahir tranquillement le monde. Le problème c'est que Ner'zhul au départ avait donc fait en sorte que les démons commencent à avoir commencent à s'infiltrer, on va dire. Il avait commencé à faire les débuts justement de la horde des orques militaires, mais ensuite Ner'zhul il avait coupé les communications quand il s'est rendu compte des plans en fait qu'avait prévu la Légion Ardente pour les orques. Donc il voulait pas être mêlé à ça, Ner'zhul. Finalement Kil'jaeden se rabattra sur Gul'dan, mais il n'oubliera jamais que Ner'zhul lui a craché au visage en fait. Donc quand il tombe sur lui, Kil'jaeden c'est un peu un nain en fait. Hein. Il a une barbe de tentacule, donc ça doit être un nain. Il a un livre des rancunes, il note toutes les rancunes qu'on lui a faites. Et il a pas aimé, hein. Il a pas aimé du tout. Et du coup quand Ner'zhul arrive, il veut se venger, hein, Kil'jaeden. Et il va torturer méchamment notre cher Ner'zhul, à savoir qu'il va en fait le maintenir en vie, il le maintient en vie, mais pendant ce temps, eh bien, il va le torturer psychiquement, hein. C'est un démon très puissant évidemment, Kil'jaeden, mais en plus de ça, eh bien, il va mettre en lambeaux le corps physique de Ner'zhul. Donc petit à petit, eh bien, Ner'zhul perd, et Kil'jaeden fait en sorte qu'il puisse bien apprécier la douleur, hein, et qu'il ne tombe pas dans les vapes ou qu'il ne meure pas, il le garde en vie, le stabilise, pour qu'il soit totalement... Enfin, c'est une torture
inimaginable. Et en gros, eh bien, Ner'zhul voit des lambeaux de sa propre chair être vaporisés les uns après les autres, très doucement, très, très délicatement. Mais du coup, la torture est terrible. Et à la fin, en fait, bah, il ne reste plus que son âme, il ne reste plus que sa puissance, il reste que son âme. Et Ner'zhul implore Kil'jaeden de le laisser mourir, de le laisser atteindre l'au-delà. Hein, et il veut plus de cette souffrance éternelle. Et Kil'jaeden lui dit non, 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 mon coco. Ah non, moi quand je me venge, je le fais bien. Donc la vengeance est un plat qui se mange froid et j'ai très faim. Du coup, Kil'jaeden lui propose un pacte. Il lui dit je peux te libérer de cette souffrance si tu acceptes eh bien, de revenir au début du pacte. Hein, c'est-à-dire tu sers la Légion Ardente. Mais tu la serviras sous une forme d'esprit. Et du coup, Ner'zhul, bien, il va accepter, hein, il craque sous la torture et il va accepter. Du coup, il deviendra l'esclave de la Légion Ardente. Il deviendra ce qu'on appelle le roi Lich. Il est le premier roi Lich. Il est le roi Lich. Puisque eh bien, l'âme de Ner'zhul va être refaçonnée pour créer ce qu'on appelle le roi Lich. Donc une âme très puissante, puisque je le rappelle que Ner'zhul à la base est l'un des chamans les plus puissants qui ait jamais existé sur Draenor, si ce n'est le meilleur chaman. Puisque je rappelle que Thrall n'est pas originaire de Draenor. Donc c'est une âme très puissante, Ner'zhul. Et en plus de ça, avec son nouveau système, avec sa nouvelle condition, eh bien Kil'jaeden va démultiplier, on va dire, la puissance déjà spirituelle et psychique très forte de Ner'zhul. Et il va être enfermé donc dans une armure, en gros, hein, l'armure avec le home de domination, le reste de l'armure et une épée, hein, une petite épée très peu connue, Frostmourne ou Deuil Givre en français. Et du coup, eh bien, il va être enfermé malgré tout, puisque Kil'jaeden lui refuse. Il veut, en fait, Kil'jaeden, faut bien se mettre dans sa tête, Kil'jaeden, il avait fomenté son plan en faisant en sorte que la horde des orques puisse envahir le monde d'Azeroth et détruire, on va dire, les fondements même qui pourraient résister à la Légion Ardente. Finalement, ça a échoué à cause de l'arrogance et à cause de l'égoïsme d'un être, à savoir Kul'dan, et c'est à cause de ça eh bien, que la Légion Ardente a échoué. Donc, eh bien, cette fois-ci, Kil'jaeden a un autre plan. La dernière fois, on a fait appel à des êtres doués de raison qui n'ont pas été capables de mettre en place le plan. En tout cas, leur propre agent les a trahis. Donc cette fois-ci, eh bien, il apprend de ses erreurs, Kil'jaeden, et il veut dire maintenant, on va pas utiliser des orques, des humains ou autres, on va utiliser des êtres dénoués de pensée, de conscience, qui seront juste des instruments dans nos mains, à savoir les morts vivants. Et du coup, notre cher Ner'zhul, eh bien, en tant que roi Lich, il va être enfermé dans un cristal de glace. Alors c'est pas de la glace classique, hein, c'est de la glace des ténèbres, hein, c'est de la glace d'ombre, donc c'est c'est pas de la glace normale, et il va être enfermé donc dans un espèce de gigantesque cristal de glace, et Kil'jaeden va le catapulter sur Azeroth, à savoir directement au pôle nord, donc sur le continent de Northrend ou Northrend comme vous préférez, mais moi j'utilise le mot Northrend, et du coup eh bien, il va être catapulté sur un glacier qu'on appelle le glacier d'Icecrown, le glacier de la couronne de glace en français, et ça l'endroit qu'on l'appellera le trône de glace, puisque eh bien, il trônera dans son cristal. Mais ce cristal est une prison pour Ner'zhul qui n'a pas de forme physique. C'est une forme spectrale et il n'a pas de forme physique. Et il est enfermé dans ce glaçon. Donc ça c'est... Et il va servir du coup d'agent pour la Légion Ardente, sachant que la Légion Ardente eh bien, va évidemment veiller à ce que... ses plans se réalisent, et cette fois-ci, eh bien, contrairement avec Gul'dan, eh bien, il va y avoir les agents de Kil'jaeden qui vont veiller à ce que les opérations se passent bien. Donc le principe, c'est justement, comme on l'a dit, le cristal va être catapulté sur le pôle nord d'Azeroth, et de là, donc, eh bien, Ner'zhul devra préparer l'invasion, l'arrivée de la Légion Ardente, et ce qui fait qu'un nouveau pouvoir va s'élever en Northrend. Sombre présage pour les autochtones, évidemment, les êtres qui habitaient ce continent glacé, puisque eh bien, Ner'zhul va commencer à travailler, en fait, commencer à étendre son influence, son ombre sur le continent. Mais comme on l'a dit, il est quand même malgré tout prisonnier il est dans une condition très délicate puisqu'il est prisonnier dans ce cristal. Il peut pas faire grand chose, donc au départ il faut qu'il teste un petit peu ses nouveaux pouvoirs, qu'il regarde un petit peu, qu'il ait conscience de ce qu'il peut faire, et au final eh bien, il va devenir un être immensément puissant psychiquement, donc magiquement évidemment, mais en gros il va projeter sa conscience autour de lui, prendre conscience de tout ce qui l'entoure,
et il va essayer d'influer dessus. Sachant, donc, en tant qu'instrument de la vengeance de la Légion Ardente, comme je vous l'ai dit, eh bien, Ner'zhul va devoir donc préparer l'invasion en affaiblissant en gros les puissances importantes qui pourraient menacer l'invasion de la Légion Ardente. Mais Ner'zhul, malgré tout, a ses propres plans. Il est étroitement surveillé, comme on l'a dit, on va voir par qui d'ailleurs juste après. Mais, eh bien, notre cher Ner'zhul, il a ses propres plans et il veut se venger de ce que lui a fait subir Kil'jaeden. Ses tourments, il les a pas oubliés. Hein. Donc, il veut se venger. Le problème, c'est que, encore une fois, eh bien, sa marge de manœuvre est très, très, très limitée. Hein. Il est enfermé, il peut pas bouger. Même s'il a un immense pouvoir, eh bien, toutes ses actions sont surveillées. Et elles sont surveillées notamment par les Nathrezim, les seigneurs de l'épouvante ou les seigneurs de l'effroi, comme vous préférez, qui sont, eh bien, ces geôliers. Et au final, eh bien, les seigneurs de l'épouvante sont d'ailleurs les espions principaux, l'élite de l'élite de la Légion Ardente et les sbires principaux de Kil'jaeden, et d'Archimonde d'ailleurs, mais surtout de Kil'jaeden, pour vérifier que la volonté de Kil'jaeden soit respectée. Les seigneurs de l'épouvante donc vont s'occuper un petit peu de tout ça, coordonner un petit peu les efforts du roi Lich, mais ils vont également... En fait, tout simplement, les seigneurs de l'épouvante sont à la base à l'issue aussi de la création du roi Lich avec Kil'jaeden. Donc on en reparlera un petit peu en fin de vidéo. Mais ils ont également eu un rôle à jouer dans la création du roi Lich. Ils ont été un petit peu les préposés, je dirais, de la création du roi Lich. Ner'zhul, donc, veut se libérer et essaye de manœuvrer en coulisses pour essayer d'éviter que ses geôliers, justement, le remarquent. Mais donc, il va tâcher d'être obéissant, faire semblant d'être obéissant, continuer à bien sûr respecter et à préparer l'invasion de la Légion Ardente. Mais le but final de Ner'zhul, bien sûr, c'est de se retourner contre ses geôliers, se retourner contre ses gardiens pour pouvoir les détruire. Donc son but final, c'est vraiment la destruction de la Légion Ardente à Ner'zhul. Le problème, c'est qu'il va falloir du temps pour pouvoir préparer tout ça. Et il est patient, Ner'zhul. Ancien, donc à côté de ça, je le rappelle, il avait franchi le portail avec les autres Chevaliers de la Mort de la première génération. Vous savez, les Chevaliers de la Mort qui avaient été réanimés par Gul'dan, vidéo sur les Chevaliers de la Mort, tout ça. Ainsi que d'autres Warlocks orques, d'autres donc sorciers orques, chamans orques, qui l'avaient suivi, ses acolytes. D'autres du clan Shadow Moon, hein, du clan Ombre Lune, mais également d'autres orques. Le truc, c'est que du coup, bah, eux aussi ont été vaporisés par Kil'jaeden, et Kil'jaeden va faire en sorte qu'avec le roi Lich, ils vont combiner leurs forces pour que eh bien, ses serviteurs, ses anciens serviteurs à Ner'zhul, le suivent dans sa nouvelle condition, et du coup, eh bien, ils vont être transformés en Lich. Ner'zhul va leur octroyer une partie de ses pouvoirs pour qu'ils puissent justement manier cette ombre glace, cette magie des ténèbres de la glace, ainsi que les chaînes, etc. etc. Donc les pouvoirs des Lich sont octroyés par le roi Lich. Supériorité bien sûr de hiérarchique. Donc voilà, c'est intéressant de se dire qu'en fait la plupart des liches que vous connaissez sont des orques en fait, des anciens chevaliers de la mort, les chevaliers de la mort de première génération ramenés par Gul'dan, mais également la plupart étaient des orques, des anciens orques. Plus tard bien sûr il y aura des liches humaines hein, comme Kel'Thuzad, mais au départ ce sont des orques. Donc c'est toujours assez sympa de se dire ça. D'où les petites défenses énormes en fait qui font un peu écho au passé des liches et à l'histoire des liches. Pendant ce temps, Ner'zhul, eh bien, comme on l'a dit, a étendu sa conscience, a essayé d'amener sa volonté à rencontrer un petit peu tout le monde. Et le plan initial de Kil'jaeden que Ner'zhul doit mettre en place, comme on l'a dit, c'est fragiliser les défenses qui pourraient barrer la route à la Légion Ardente. On ne veut pas laisser la place au hasard, on veut tout préparer, tout planifier. Et du coup, Kil'jaeden a préparé une peste, a préparé la peste mort-vivante, à savoir... tout simplement eh bien, de créer une espèce de maladie qui va atteindre les mortels, les tuer, et comme ça Ner'zhul pourra les ressusciter, en tant que roi Lich il pourra les ressusciter et utiliser ces nouveaux combattants tout simplement pour affronter les adversaires. Et ainsi de suite, créer de nouveaux morts-vivants qui serviront ses armées, etc., etc. Faire un cycle, on va dire, de morts sans fin et avoir de plus en plus de soldats. Donc il va justement se servir de cette peste qui au départ n'est pas du tout le côté, vous savez, vert, etc. Enfin, c'est vraiment plus une peste, c'est vraiment en fait un souffle de magie en fait qui va atteindre les colonies humaines, puisque c'est vrai que cette partie-là de l'histoire est un peu oubliée, mais il y a des colons humains en Northrend, hein, des colons humains de différents royaumes, mais la plupart sont de Lordaeron, visiblement des sources qu'on peut voir à Wrath of the Lich King. Mais en gros, il va y avoir donc des colonies humaines qui vont être attaquées par ces vents de magie, et ils vont eh bien, être tués, sachant que Ner'zhul en profite aussi pour ramener les morts, hein, tout simplement les anciens morts justement de ces colonies. Et en plus de ça, la peste... Alors,
dans le manuel de War 3 d'ailleurs, c'est très précis, c'est en 3 jours. En 3 jours, tous les colons humains sont tués et seront ramenés en tant que squelettes, donc les premiers serviteurs morts-vivants de Ner'zhul. Mais il va également bien s'occuper, bien sûr, de réanimer les différentes peuplades autochtones, notamment eh bien, trolls des glaces, vricules, etc. Et il va se servir de cette peste sur certaines communautés vricules pour pouvoir ramener, pour pouvoir en fait avoir son premier pool, je dirais, de serviteurs, hein, cette première petite armée, et il va monter en puissance. Pendant ce temps, bien sûr, il se rend compte, en fait, en testant ses nouveaux pouvoirs, eh bien, il se rend compte qu'il arrive à se nourrir de l'énergie des morts. Plus il ressuscite, en fait, de serviteurs, plus il engrange son pouvoir nécromantique. En fait, il arrive, tout comme un forgeron qui travaille, ou tout simplement un étudiant, etc., eh bien, lui-même prend de plus en plus conscience des pouvoirs qu'il possède et il arrive à de mieux en mieux les maîtriser. Et du coup, eh bien, rien qu'en ramenant en fait de plus en plus de serviteurs, ça accroît encore son réseau d'influence en fait. Donc il va pouvoir entendre les pensées des morts et peut plier aisément leur volonté à la sienne. Et donc, petit à petit, il accroît ses pouvoirs nécromantiques. L'accumulation du pouvoir nécromantique va se faire justement à Icecrown, hein, la capitale du roi Lich, tout simplement. Donc le glacier d'Icecrown, où il y a le trône de glace. Et son ombre, comme on l'a déjà dit, plane sur tout le continent. Au départ, c'était vraiment sur la zone. Et petit à petit, son ombre plane sur tout le continent. Il y a vraiment là l'idée un petit peu du Seigneur des Ténèbres. Hein, il y a vraiment un côté Sauron, mais version de glace. Avec vraiment l'idée que son ombre plane sur le continent, il menace et il va surtout perturber les créatures, les autochtones, les créatures qui sont présentes sur place, et notamment par sa simple volonté, par sa présence, Ner'zhul va réussir à rallier certaines peuplades à lui, notamment bah, bien sûr des vricules, des trolls des glaces, mais alors pas tous les trolls des glaces, mais une bonne partie de trolls des glaces, mais également des bestioles comme par exemple les Wendigo, qui vont se rallier à sa cause. Donc petit à petit, encore une fois, hein, bien sûr on parle de semaines, de mois, et eh bien en plus des morts vivants, et eh bien il y a des créatures bien vivantes qui rejoignent le roi Lich et le fléau. Le truc, c'est que il y a bien sûr des pouvoirs en place, des forces locales qui eh bien, ne voient d'un très très mauvais œil cette montée en puissance du roi Lich, et eh bien la plus grande force justement de Northrend, c'est tout simplement les Nérubiens, cette race d'insectoïdes à la base des Akir, vidéo sur l'Empire Noir, à la base cette race d'Akir justement, donc des créatures créées par les dieux très anciens, les Nérubiens ont été créés par un des dieux très anciens, à savoir Yogg-Saron, et bien eux justement commencent à voir d'un très mauvais œil cette montée en puissance du roi Lich. Alors il faut bien rappeler, parce que la plupart des gens sont habitués aux Kiraji, donc les autres Akir d'Ankiraj qui servent Ktun, ou les Mantides qui servaient Yarsharaj, ou les Akir de Nuzad qui lui sont toujours fidèles, les Nérubiens eux ont coupé les ponts avec Yogg-Saron, hein. Ils ont fondé leur propre empire. Et ils ont même presque oublié, j'ai envie de dire, Yogg-Saron. Donc il faut vraiment pas penser que c'est Yogg-Saron qui leur dit « oppose-toi à la mort », etc., etc. Non, non, non. Ils sont leur propre empire, ils ont leur propre religion, ils ont leur propre fondation, ils ont leur propre pensée, ils ont leur propre culture. Alors bien sûr, ce sont les héritiers des Akir qui étaient les serviteurs de Yogg-Saron, mais maintenant ils ont vraiment coupé court à cette relation. Et ils ont, comme je disais, presque oublié la présence de Yogg-Saron. Donc ils sont autonomes là-dessus, ils sont autonomes. Et l'Empire, donc Nérubien, comme je l'ai dit, est conscient de la menace qui grandit, et ils vont lancer du coup un assaut sur la capitale, bien sûr, des morts-vivants, à savoir Icecrown. Alors petit rappel quand même pour Ajol Nerub, c'est une zone gigantesque. Alors en jeu, évidemment, sur World of Warcraft, c'est compliqué de la voir, hein. War 3 vous aidera bien plus à vous rendre compte de la taille de la zone, mais en gros Ajol Nerub, ça fait la moitié du continent, ça fait la moitié du Northrend, mais en version souterraine, parce qu'Ajol Nerub est un empire souterrain. Évidemment, les Nérubiens sont une race de fouisseurs, donc ils sont sous la terre. Et en final, eh bien, vous avez des temples immenses, des villes gigantesques. Ajol Nerub, c'est tout un empire, tout un réseau en fait, hein, de villes connectées par des galeries, etc. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait la moitié à peu près en termes de superficie du continent. Ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est un immense empire millénaire, c'est considéré comme l'une des plus puissantes civilisations de son époque, parce que la plupart des civilisations se sont effondrées ou alors ont périclité, ont décliné. Je pense aux empires trolls, aux différents empires trolls, que ce soit l'empire Drakari, l'empire Amani, l'empire Gurubashi, même tout simplement l'empire Mogu, ou même l'empire Zandalari. Enfin, la plupart des empires
millénaires ont commencé à péricliter, à décliner. C'est pas du tout le cas pour les Nérubiens, au contraire, eux, ils ont réussi à continuer à s'étendre, etc. Et en plus en étant autonomes de leur divinité première, j'ai envie de dire. Donc, au final, il y a vraiment un choc de puissance qui va... La confrontation était inévitable, et surtout que les Nérubiens veulent garder leur autonomie. Hein. Ils voient un petit peu comment ça se passe, ils comprennent que cette ombre plane sur eux. Et du coup, comme je l'ai dit, ils vont attaquer, ils vont marcher en premier, ils vont attaquer Icecrown, attaquer la capitale, en se servant bien sûr de ces galeries. Et en se dressant contre le roi Lich, Ner'zhul, on commence justement le conflit que l'on appelle la guerre de l'araignée, le véritable conflit armé, le conflit militaire, mais c'est également ce qui donne son nom à la période de la guerre de l'araignée. Donc la guerre de l'araignée débute entre les forces mort-vivantes d'un côté et les Nérubiens bien vivants de l'autre. Les forces mort-vivantes vont réussir à repousser les Nérubiens, mais ça va être quand même compliqué. Et surtout, Ner'zhul va se rendre compte, donc il envoie ses propres armées contre les Nérubiens, et il se rend compte de quelque chose, c'est tout simplement que la peste est inefficace contre les Nérubiens. Et ça, c'est quelque chose de très important. La peste est inefficace contre les Nérubiens, mais en plus de ça, les Nérubiens sont immunisés au pouvoir psychique télépathique du roi Lich. Et oui, comme on l'a dit, le roi Lich peut influer sur la volonté des êtres vivants et notamment les plier à sa volonté. Les Nérubiens sont totalement imperméables à ses pouvoirs psychiques, à ses pouvoirs télépathiques, plus la peste. Alors ça, c'est vraiment un double point très très fort pour eux, et ça va être compliqué. Sachant que le chef des Nérubiens, c'est tout simplement Anubarak, le roi d'Ajol Nérub, le roi de l'Empire Nérubien, et il va se dresser face aux armées du fléau. Alors sa pugnacité et sa hargne font qu'il va réussir à mettre en danger la campagne d'invasion du fléau, puisque le premier assaut a été Nérubien, mais la contre-attaque, comme on l'a dit, a été terrible, et au final, les armées mort-vivantes se mettent en marche et attaquent les différentes villes souterraines des Nérubiens. Anubarak donc est un brillant stratège, un combattant aguerri, et il va mener les Nérubiens de victoire en victoire, notamment par des stratégies assez innovantes et qui vont couper un petit peu l'herbe sous le pied du roi Lich, à savoir l'utilisation bien sûr du côté fouisseur des Nérubiens, à savoir des tactiques de guérilla avec tout simplement des séries de raids sur les différents bastions du fléau. Hop, le fléau attaque une ville nérubienne, et nous on va attaquer pendant ce temps à l'arrière, on va attaquer Icecrown, on va attaquer d'autres bastions qui servent de point de lancement des troupes tout simplement du fléau, et petit à petit comme ça, il sabre un petit peu l'effort de guerre du fléau. Et ça va profondément énerver Ner'zhul, le roi Lich, qui commence à se dire que cette guerre, pour le moment, la plupart de ses efforts ont été, comme je vous l'ai dit, la plupart des colonies humaines ont été détruite en 3 jours, même si bien sûr il y a des semaines il continue d'expérimenter son art nécromantique et ses pouvoirs, la plupart de ses actions ont eu des effets rapides, des succès très rapides. Donc là il se heurte vraiment à une véritable menace, et c'est le véritable premier enjeu, la première menace auquel est confronté Ner'zhul. Et au final, cette stratégie de guérilla s'avère payante, une guerre d'usure va se mettre en place entre les deux forces. Évidemment, une guerre d'usure est à l'avantage bien sûr des morts-vivants, puisque chaque Nérubien terrassé fait un nouveau soldat pour le fléau, pour tout simplement l'armée mort-vivante. Mais les Nérubiens s'en sortent très très bien, et dans cette guerre, arrivent à créer des pertes monumentales pour le roi Lich, et surtout vont casser vraiment l'offensive. Donc on s'embourbe dans un conflit qui pour le moment n'arrive pas à trop avoir de gagnants. Malgré tout, Anubarak arrive à récupérer pas mal de victoires. Donc comme on l'a dit, malgré ces raids victorieux, malgré tout dans cette guerre d'usure, forcément, même si les Nérubiens pour le moment tiennent la dragée haute au roi Lich, malgré tout, chaque Nérubien tué va permettre d'avoir des nouveaux soldats pour le roi Lich. Je l'ai dit, bien sûr, ils sont immunisés à la peste et au pouvoir télépathique, mais ils ne sont pas immunisés au pouvoir nécromantique. Quand un Nérubien meurt, Ner'zhul peut récupérer son corps et en faire un nouveau sbire. Et ça, c'est vraiment le problème auquel va être confronté le roi Lich. Mais surtout, Ner'zhul lui aussi s'adapte aux stratégies nérubiennes, et il se dit qu'en fait,
on va dire l'épine dorsale des armées nérubiennes, c'est leur roi, hein, c'est Anubarak, qui est la tête pensante des armées nérubiennes et qui est celui qui apparaît comme le char d'assaut, j'ai envie de dire, le grand architecte de la défense des Nérubiens. Et du coup, il va faire un focus, il va cibler en priorité Anubarak et il va essayer en fait de lui tendre un piège pour pouvoir le tuer et à ce moment-là en faire son général, en faire son bras droit militaire qui justement eh bien, mènera Jules Nérub à sa perte. Le plan. Et le suivant, eh bien, tout simplement, attirer Anubarak dans un assaut. Et finalement, eh bien, ça va fonctionner. Anubarak va périr sur le champ de bataille à un moment donné. Notre cher Ner'zhul, notre roi Lich, eh bien, va le relever et va en faire son lieutenant le plus puissant à l'époque. Et ce sera le premier véritable général des armées du fléau. Alors, à ce moment-là, le fléau est composé de quoi? Vous allez me dire, bah, il est composé de quoi? Parce qu'il n'y a pas de Nérubiens, il n'y a pas trop. Alors, c'est bien sûr des morts-vivants humains, majoritairement. Hein, comme on l'a dit, les colons humains, les vricules, etc. Les vricules morts. Il y a également des vricules vivants, des trolls des glaces, des wendigos. Mais il y a également eh bien, les Natrezim hein, qui se joignent à l'assaut et qui sont les premiers généraux avec les liches, bien sûr, pour coordonner les forces de frappe du fléau. Mais là, eh bien, Anubarak, avec sa mort, il est relevé et il devient tout simplement le bras armé du roi Lich qui va eh bien, damner petit à petit tout simplement le royaume souterrain d'Ajol Nérub. Il sera l'épée de Damoclès sur Ajol Nérub et il sera tout simplement celui qui va faire tourner la guerre en la faveur du roi Lich. Malgré la défense vaillante des Nérubiens, on l'a dit, ce conflit s'embourbe. Hein. Je le rappelle, 5 ans, pour faire un petit écho, hein, généalogie vidéo sur la généalogie de Warcraft, 5 ans c'est la durée de Vanilla plus Burning Crusade plus War Savage King plus Cataclysme. Cataclysme inclus, donc fin Cataclysme. 5 ans. 5 ans de guerre ouverte entre Nérubiens et morts-vivants. Sachant que les morts-vivants ne dorment pas, ne sont pas fatigués, donc c'est des assauts en permanence. Imaginez 5 années de résistance, c'est énorme, et les Nérubiens eh bien, auront extrêmement bien tenu. Mais malgré leur vaillance, eh bien, les petits Nérubiens tombent petit à petit, bien sûr. Alors, on n'a pas de chiffres exacts, mais vu la vitesse, enfin, vu la taille de l'Empire, vu la vitesse à laquelle on voit les incubations, etc., il est fort probable qu'on assiste à des millions d'individus, ça reste une théorie de ma part, mais il y a forcément des milliers, je pense à des milliers, voire des millions d'individus du côté des Nérubiens, et une bonne partie vont être massacrés et vont être récupérés et font faire de nouveaux soldats pour le fléau. Donc ça c'est un énorme problème et eh bien l'empire d'Ajol Nérub va être démembré. Et beaucoup de Nérubiens, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais au final pas mal de Nérubiens survivants à l'hécatombe vont essayer de fuir tout simplement les assauts et la furie du roi Lich. Et ils vont essayer de se cacher, de se terrer dans des galeries. Ils vont creuser très profondément, certains vont réussir à se cacher de leurs anciens frères. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Anubarak gagnera son titre de roi traître d'Ajol Nérub, puisque bah, il n'a pas choisi, hein. Il est mort au combat et il a été relevé contre sa volonté et il doit tuer ses anciens serviteurs, ses anciens frères, sans qu'il puisse rien faire. Hein. Donc il est totalement esclave de la volonté du roi Lich, mais malgré tout c'est de là qu'il gagne son titre de roi traître. Et au final, eh bien, les Nérubiens fuient Ajol Nérub, se cachent dans des galeries. Et certains vont creuser très profondément pour se cacher, qu'ils vont réveiller des entités assoupies, endormies depuis des milliers d'années, depuis des millénaires, à savoir Yogg-Saron et les Sans-Visages. Et les pauvres Nérubiens, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que en haut, c'est le fléau, et ben en dessous, c'est Yogg-Saron, et Yogg-Saron et les Sans-Visages n'aiment pas du tout la menace et l'intrusion des Nérubiens, et du coup, eh bien, ils vont se faire pas mal embêter, ce qui fait que les Nérubiens vivants, il en reste, mais c'est quand même une espèce en voie de disparition. Ner'zhul, malgré tout, a été impressionné par les 5 ans justement de lutte acharnée contre les Nérubiens. Et au final, eh bien, il va, par respect, tel un général Grievous qui dit « Je vais ajouter cela à ma collection », Ner'zhul est fasciné par la technologie, fasciné par l'architecture des Nérubiens, et il va tout simplement récupérer cette architecture, cette technologie. Alors quand on parle de technologie, on parle bien sûr des arches noires, en fait, tout ce qui est lié au Tolvir, en fait, hein, tout ce qui est lié au Tolvir, donc ces espèces d'immenses sphinx noirs d'obsidienne, etc., c'est forgé par les titans, qu'il va récupérer. Pour en faire par exemple les statues d'obsidienne qui seront
des espèces de tours de nécromancie qui renforceront les morts-vivants et autres. Et il va également récupérer bien sûr les ziggourats et les des Nérubiens, et va tout simplement en faire des futures nécropoles et autres ziggourats. Donc toute l'architecture du fléau est basée sur les Nérubiens, et pas mal de Tolvir, encore une fois les destructeurs, etc., sont des Tolvir qui étaient soumis à l'autorité du royaume d'Ajol Nérub. Donc triomphant. Alors là, c'est la fin du conflit de la guerre de l'araignée. La guerre de l'araignée, c'est 5 ans de lutte acharnée entre les morts-vivants et les Nérubiens. Mais encore une fois, la période de la guerre de l'araignée, elle n'est pas terminée. Le conflit est terminé, 5 ans se sont écoulés. Maintenant, il reste encore 3 années, hein, 3 années à peu près, enfin même plus, 5 ans en fait. Il reste encore 5 ans où le culte des damnés va émerger. Et du coup, Ner'zhul, maintenant qu'il a battu, on va dire, la force qui pouvait lui résister, eh bien, il a conquis, on va dire, la grande majorité du Northrend. La plupart de ses adversaires se terrent, se cachent. Donc, il n'y a plus de menace pour le fléau et son hégémonie sur le Northrend. Du coup, eh bien, il va fièrement conquérant, encore une fois, étendre sa conscience, mais cette fois pas au continent, mais au monde entier, pour essayer de trouver de nouveaux adeptes, de nouveaux serviteurs qui pourrait renforcer son influence et surtout permettre, eh bien, potentiellement d'affaiblir les forces qui pourraient menacer la Légion Ardente et le fléau mort-vivant. C'est à ce moment-là, eh bien, qui, comme on l'a dit, fait appel à différents individus susceptibles d'être tentés par son pouvoir immense. Donc là, encore une fois, il apparaît comme le tentateur, comme le seigneur des ténèbres qui peut offrir une partie de son pouvoir contre la servitude. Et il y a un être qui va répondre à son appel, à savoir l'un des mages les plus puissants de Dalaran, l'un des mages les plus puissants du Kirin Tor, à savoir Kel'Thuzad. Kel'Thuzad qui faisait partie du Conseil des Six, vous savez, l'organe dirigeant de la nation magique de Dalaran. Kel'Thuzad, très ironique d'ailleurs, puisque eh bien, pendant la Deuxième Guerre, il avait vu les ravages causés par les Chevaliers de la Mort, hein, donc ces anciens démonistes, ces anciens nécrolites orques qui avaient été ressuscités, leurs âmes avaient été piégées dans des chevaliers humains d'Azeroth, et du coup, eh bien, ça avait fait ces espèces de Nazgûl, et Kel'Thuzad avait vu notamment les actes de Teron Gorfind, mais il avait vu leur force, et il s'était dit que peut-être qu'on pourrait utiliser les armes de l'ennemi contre lui. Donc il avait commencé à se pencher sur les arts de nécromancie, les arts occultes, les arts démoniaques, etc. Donc tout ce qui est magie noire. Et dans cette recherche des arts obscurs, il va être petit à petit grondé, hein. On va lui taper sur les doigts parce que à Dalaran, on voit d'un très mauvais œil cette plongée de plus en plus profonde vers la magie noire. Et à ce moment-là, eh bien, quand il a la proposition, il a cet appel d'une entité très puissante qui se présente comme étant le roi Lich, à ce moment-là autonome, qui se dit toute puissante et qui lui dit qu'il pourrait lui donner fraction de son pouvoir, répondre à toutes les questions magiques et autres, ah, ça l'intéresse, Kel'Thuzad, ça l'intéresse énormément. Donc il avait commencé déjà à faire des expérimentations qui lui avaient valu, j'ai envie de dire, l'excommunication magique. Donc à ce moment-là, il répond présent. Et il va avoir tout simplement cet accès à cette banque de données nécromantiques du roi Lich de Ner'zhul. Et il va lui jurer fidélité. Or, Ner'zhul, lui, il veut pas juste un simple serment de fidélité. Il sent en Kel'Thuzad un immense pouvoir et qu'il pourrait devenir un de ses agents les plus puissants. Donc il va convoquer Kel'Thuzad au Northrend, tout simplement Ice Crown, donc au trône de glace, et Kel'Thuzad va faire le voyage, hein, donc ça va durer des mois évidemment, mais il va faire le voyage, il va arriver au Northrend, il va tomber d'ailleurs tête à tête, il va faire un petit tête à tête avec Anubarak, qui à ce moment-là est le général en chef des armées du fléau. Kel'Thuzad voit ça et il est impressionné, mais à la fois fasciné et effrayé par ce qu'il voit. À un moment donné, il veut rebrousser chemin, mais Ner'zhul lui fait comprendre que c'est trop tard, hein, qu'il a passé le point de non-retour et il ne pourra plus fuir son destin. Et en gros, eh bien, il va monter donc les marches du glacier, il va arriver en haut de la forteresse d'Icecrown, sachant que, je le rappelle, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais il y a le glacier, au sommet du glacier, il y a le trône de glace où eh bien, est enfermé, tout simplement, où règne le roi Lich. Mais petit à petit, le début de la construction de la forteresse a débuté. C'est pas évidemment celle que vous voyez dans Lost of Lich King, mais dès Warcraft 3, on a bien sûr des galeries de grottes, notamment de l'Empire Nérubien, mais qui sont... en fait, la forteresse d'Icecrown est construite. Mais c'est surtout, en fait, des catacombes, des cryptes,
qui sont dans le glacier et sous le glacier. C'est pas forcément encore cette espèce de Mordor là qu'on voit à l'extérieur avec cette immense cité noire. Non, non, c'est vraiment à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a malgré tout des escaliers et autres, il y a quand même des structures apparentes à l'extérieur, mais c'est surtout sous terre et dans le glacier. Donc au final, en voyant son maître, Kel'Thuzad est fasciné par l'immense pouvoir du roi Lich, et Ner'zhul va lui proposer une partie de son pouvoir en lui disant que s'il accepte de devenir son serviteur, il pourra lui donner des pouvoirs auxquels il rêve seulement d'imaginer, enfin des pouvoirs auxquels il ne peut même pas imaginer tellement ses pouvoirs seront grands. Kel'Thuzad accepte, il est fasciné, encore une fois, je le redis, mais il est vraiment fasciné. Et Ner'zhul va à ce moment-là lui donner une partie de ses pouvoirs, mais lui faire également part de ses plans. Il se rend compte que Kel'Thuzad est très puissant et pourrait devenir un de ses lieutenants principaux. Kel'Thuzad deviendra alors le chef d'orchestre de la partition orchestrée par le roi Lich dans son véritable but, à savoir détruire la Légion Ardente. Sauf que Kel'Thuzad sera cet agent infiltré, cet agent de liaison entre la Légion Ardente et le roi Lich, sauf qu'il devra maquiller bien sûr ses véritables intentions, à savoir libérer son maître et faire en sorte que son maître puisse repousser les démons. Donc Kel'Thuzad est soumis à sa volonté, mais donc en tant que soumis à sa volonté, il va revenir dans les royaumes de l'Est, donc sur le continent d'Azeroth. Et il va tout simplement créer ce qu'on appelle maintenant le culte des damnés. Il va fonder sa propre religion. Et oui, hein, je sais, on l'oublie un petit peu, mais le culte des damnés, c'est une véritable religion. C'est un culte. Il est un petit peu j'ai envie de dire, le pape de cette religion. Il est le chef de cette religion. Donc un culte, une espèce de secte qui va commencer en fait à réunir tous ceux qui aimeraient récupérer plus de pouvoir, récupérer plus de richesses, etc. Donc ça parle à la fois à toutes les strates de la société, en fait, que ce soit les nobles ou les pauvres. Les pauvres deviennent des acolytes, etc. Et du coup, eh bien, il va créer carrément, il va fonder des écoles de magie, notamment Scholomance, évidemment. Mais il faut bien comprendre que c'est pas un seul lieu. C'est des sectes, donc des cultistes. Il y en a un peu partout dans les royaumes. Il n'y en a pas d'ailleurs qu'en Lordaeron. C'est Lordaeron qui est le plus touché, puisque lui-même est un mage de Lordaeron. Mais ça touche à peu près tous les royaumes, il y a des cultistes un peu partout. Et il va commencer à agrandir son influence, ça prend des mois, des années, hein, bien entendu, parce que je le rappelle, hein, la guerre de l'araignée, le conflit dure 5 ans, la guerre de l'araignée, elle dure 10 ans dans le côté ascension du roi Lich avant le début de la troisième guerre. Donc là, on est vraiment sur une préparation où on essaye de récupérer de plus en plus de fidèles qui pourraient permettre le succès d'une invasion mort-vivante du Northrend, puisque Ner'zhul, lui, a rassemblé ses forces et attend tout simplement de pouvoir envahir. Et au final, Kel'Thuzad, lui, de son côté, doit faire en sorte que la peste mort-vivante fasse un maximum de victimes pour créer carrément des nouveaux morts-vivants en Azeroth que le roi Lich pourra posséder. Donc bien sûr, il y a tous les nécromanciens, etc. qui arrivent, et c'est là le grand flux de nouvelles troupes pour le fléau. Et notamment, Kel'Thuzad va énormément jouer dans le perfectionnement de la peste mort-vivante, à savoir en la fusionnant avec le grain, tout simplement d'Andorra, le grain contaminé qui permettra plus facilement de véhiculer la peste entre les différents villages et villes humaines. Et oui, hein, tout le monde doit manger, hein, tous les êtres vivants doivent manger, et s'ils ont accès à ce grain-là, ils vont s'intoxiquer et ils vont devenir des morts-vivants. Donc ça, c'est vraiment l'idée de Kel'Thuzad, et qui va avoir des effets ravageurs pendant la Troisième Guerre, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça. Comme je l'ai dit, il y a également la noblesse qui est convaincue par les promesses du culte des damnés et par les promesses de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad a beaucoup d'influence au sein. Lui-même était un riche propriétaire foncier, donc il connaît quelques paladins, il connaît quelques chevaliers, il connaît quelques nobles qui rêveraient d'avoir un peu plus de puissance, et certains de la noblesse sont attirés, sont séduits par justement cette promesse de pouvoir, cette promesse d'immortalité que Ner'zhul peut leur accorder. Et il faut bien comprendre que la nouvelle génération de chevaliers de la mort telle qu'on la connaît, ce que j'appelle la deuxième génération de chevaliers de la mort, à savoir les premiers chevaliers de la mort du roi Lich cette fois-ci, c'est tout simplement des nobles donc de la royauté, des anciens paladins, notamment des paladins de la main d'argent déçus de l'organisation ou juste assoiffés de pouvoir, ou juste qui veulent l'immortalité, qui ne croient plus en la lumière ou autre, quelle que soit leur raison, ils vont se tourner et ils vont faire un pacte avec Ner'zhul. Ner'zhul va leur octroyer une partie de leur puissance, enfin de sa puissance, et ils vont devenir les chevaliers de la mort, donc ces espèces de paladins des ténèbres, hein, ces paladins de l'ombre.
et vont devenir tout simplement les chevaliers de la mort. Donc c'est les premiers chevaliers de la mort du fléau. C'est une image du baron Rivendare. Le baron Rivendare est l'un de ses premiers justement de cette génération. Ner'zhul, mais c'est pas fini. Ner'zhul n'a pas fini. Ner'zhul continue de comploter bien sûr contre ses geôliers et contre la Légion Ardente. Et il sait qu'il aura besoin d'un champion. Ner'zhul, même si Kil'jaeden lui a fait la promesse que lorsqu'il aura accompli son œuvre, il aura le droit à un corps, etc. Ner'zhul n'y croit pas du tout. Et de toute façon, lui-même veut son corps. Il veut se libérer de sa prison, de son trône de glace. Et pour ce faire, il a besoin d'un champion. Il a besoin d'un avatar. Il a besoin tout simplement d'un corps qui pourra habiter sa conscience plus tard. C'est vraiment son but principal. Et une fois qu'il habitera justement un corps, eh bien, il pourra assouvir sa soif de vengeance contre la Légion Ardente. Et pour avoir ce corps à posséder, il arrive à convaincre les démons, justement, que regardez, le succès d'Anubarak et Kel'Thuzad, ce sont des lieutenants très puissants qui nous permettent eh bien, de fragiliser les défenses humaines et les défenses des différentes races qui pourraient menacer la Légion Ardente. Et les Seigneurs de l'Épouvante sont plutôt conquis par l'idée, et surtout l'argument central qui va permettre au Roi Lich de faire gober justement cette idée d'aller recruter un nouveau champion pour le fléau. C'est l'idée, il va tout simplement utiliser la peur de Kil'jaeden, à savoir en cas d'échec, Kil'jaeden a déjà échoué deux fois avec la guerre des anciens puis l'invasion des orques. Donc il a déjà échoué deux fois dans sa tentative d'envahir Azeroth, et il commence à être de moins en moins patient. Hein, donc les Seigneurs de l'Épouvante sont les lieutenants de Kil'jaeden, mais eux-mêmes ne veulent pas essuyer un échec et ils veulent pas essuyer la colère, le courroux de Kil'jaeden. Donc Ner'zhul va exploiter cette faiblesse-là pour faire naître dans l'idée des Seigneurs de l'Épouvante qu'ils auront besoin justement de ce champion pour éviter une catastrophe et vraiment assurer, bétonner la victoire du fléau et du coup la victoire de la Légion Ardente. Et ça, les Seigneurs de l'Épouvante donc vont être ok, et Ner'zhul, eh bien lui il est content parce que d'un côté ça fait, regardez, moi je veux faire en sorte que le fléau tout se passe bien, d'un autre côté il va récupérer un nouveau champion qui pourra lui permettre d'être son futur corps, d'être son futur avatar, mais en plus de ça, eh bien qui pourra être l'instrument, la clé de la victoire contre la Légion Ardente. Et il va du coup séparer une partie de son armure, puisque Frostmourne, Deuil Givre, fait partie de son armure, fait partie intégrante de son armure, elle était dans le cristal, hein, je le rappelle. J'en profite pour réutiliser ce magnifique artwork que j'ai commandé d'ailleurs pour cette vidéo. C'est Sindéris, donc qui l'a la cosplayeuse et qui fait également des commandes, qui réalise également des superbes artworks, et il est magnifique, et c'est probablement le plus beau de Ner'zhul qui existe sur le marché. Et du coup, l'épée, hein, Frostmourne, est bien dans le cristal à ce moment-là. Et au final, avec l'aide des Seigneurs de l'Épouvante, Ner'zhul va faire sortir l'épée du cristal et va la déposer hein, parce que c'est pas lui qui peut pas sortir du cristal, donc il va faire en sorte que les Seigneurs de l'Épouvante la posent pour justement sur un piédestal, etc., pour la mettre en évidence. Il va répandre la rumeur, notamment chez différentes populations, notamment les nains avides de trésors, il existe une épée runique, à savoir Frostmourne, qui pourrait justement intéresser potentiellement son futur champion. Et cette épée, bien sûr, est maudite, puisque c'est tout simplement l'extension de la volonté de Ner'zhul. L'épée, Frostmourne, fait partie de son armure. Quiconque s'empare de Frostmourne verra son âme bouffée, hein, verra son âme aspirée. Et à ce moment-là, eh bien, le champion qui aura récupéré l'épée sera tout simplement un serviteur du Roi Lich. Donc, il faut trouver maintenant ce futur champion. Toutes les pièces sont mises en place. Il faut maintenant trouver un champion. Il va une nouvelle fois étirer sa conscience dans le monde pour essayer de trouver l'élu, pour essayer de trouver la personne qui pourrait répondre à ses attentes. Et il va réussir. Son choix va finalement se porter sur Arthas, le prince de Lordaeron, qui en fait le candidat parfait, tout simplement, parce que c'est un combattant. Alors, c'est un jeune humain, hein, d'une vingtaine d'années. Il est l'héritier de la couronne de Lordaeron, le fils de Terenas Menethil. Arthas Menethil est un paladin brillant, le bras droit, le padawan, j'ai envie de dire, l'apprenti d'Uther Lightbringer, donc Uther, le porteur de lumière, qui est tout simplement donc le chef de la main d'argent, le chef des paladins, tout simplement. Et Arthas est un jeune homme fougueux avec clairement des compétences martiales excellentes. Il a notamment
réussi à mater des rébellions terribles qui gangrénaient Lordaeron, mais surtout, parce que ça c'est surtout Uther qui l'a fait, mais surtout Arthas a mené à bien des assauts et des batailles contre les trolls des forêts qui menaçaient l'est de Lordaeron. Et donc il a déjà, malgré son jeune âge, il est très très prometteur, il a des succès militaires à son... Il a déjà des grands succès militaires, et en plus de ça, eh bien, il a de nobles intentions, notamment il veut défendre son royaume coûte que coûte. Il est un petit peu dans l'ombre de son père et il veut réussir à devenir un roi encore mieux que son père et devenir un monarque respecté et aimé de son peuple. Et il veut le protéger coûte que coûte, il est le parangon, on va dire, il est le bouclier de Lordaeron. Et c'est justement ses nobles intentions qui vont le mener à la damnation. Et ça, Ner'zhul en est conscient et choisit Arthas pour toutes ses qualités et ses défauts, évidemment. Et c'est le but final de Ner'zhul qui amènera bien sûr la descente aux enfers, la chute d'Arthas, le prince, le fidèle serviteur de son royaume, qui le poussera à damner son père, ses trois différents paternels, j'ai envie de dire, parce qu'il tuera son propre père, il tuera son mentor, Uther, mais également un de ses tuteurs, Muradin Bronzebeard. Donc ça, bien sûr, c'est des événements qui seront narrés dans Warcraft 3, dans les vidéos sur Warcraft 3. Je rappelle qu'il y en a 4 sur Warcraft 2, 3 sur Warcraft 3. Donc je vous laisse bien sûr aller voir la suite sur Warcraft 3. Alors, quelques petits points concernant donc la guerre de l'araignée. Je le rappelle, elle dure 10 ans. Le conflit lui-même contre les Nérubiens dure 5 ans. Mais la période dite de la guerre de l'araignée, à savoir l'arrivée de Ner'zhul sur Icecrown, qui mèneront justement à la troisième guerre, eh bien ça s'étale sur une durée de 10 ans. Petit rappel, ça veut dire que cette durée, d'un point de vue chronologique, dure plus longtemps que tout World of Warcraft pour le moment réuni, hein, puisque World of Warcraft, pour le moment, c'est que 8 ans. On verra avec Shadowlands, etc., s'il y a des changements à ce niveau-là. Mais pour le moment, eh bien, c'est 8 ans World of Warcraft. Hein. Jusqu'à BFA, c'est 8 ans. Donc la guerre de l'araignée, c'est 10 ans. C'est plus long que toute l'histoire de World of Warcraft. C'est assez rigolo à ce niveau-là. Mais il y a potentiellement, bien sûr, des retcons qui pourraient arriver, notamment avec Shadowlands. Puisque on sait qu'il y a Malraxus qui a été annoncé comme une espèce de proto-fléau, sauf que les Nérubiens, normalement, toute l'architecture du fléau est basée sur les Nérubiens, donc comment ils vont réussir à rebondir suite à ces révélations-là. Et surtout, on devra en savoir plus sur la création du Roi Lich. Or, le Roi Lich, comme on l'a vu, est une création de la Légion Ardente, de Kil'jaeden et des Seigneurs de l'Épouvante. Après, pour le moment, donc certains crient déjà au retcon, pour le moment, rien n'est retcon. Il est tout à fait possible que Kil'jaeden et les Nathrezim aient également... on va dire sous-traité avec des forgerons issus, bien sûr, des Terres d'Ombre, hein, des Shadowlands, pour pouvoir eh bien, faire en sorte d'avoir à la fois les pouvoirs des démons, mais aussi à la fois le pouvoir de la mort. Donc, en soi, c'est pas, pour le moment, il n'y a pas de retcon, mais il est vrai qu'il faudra regarder ça d'un œil attentif, puisque potentiellement, il pourrait y avoir des retcons sur la guerre de l'araignée, même si la guerre de l'araignée, au final, on a plein de détails. Le manuel de Warcraft 3 est l'une des sources principales, ainsi que Chronicles, mais Chronicles, au final, n'invalide pas du tout le manuel de Warcraft 3, qui est extrêmement détaillé là-dessus. Mais on a un peu plus de détails sur certains points, notamment Frostmourne et autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, bien sûr, à me donner vos impressions dans les commentaires, à liker, à partager autour de vous. Vous pouvez également poser des questions. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que j'évoque en plus ou autre. Mais il faudra suivre Shadowlands, le développement de Shadowlands avec attention, voir ce qui sera fait concernant le Roi Lich et le Fléau. Bien entendu, je le rappelle aussi, le manuel de Wovania, rappelez que Ner'zhul avait accompli son but, hein. Le manuel de Vanilla n'avait absolument pas oublié que le but de Ner'zhul avait été atteint avec la cinématique de fin de Frozen Throne, où il récupère justement, eh bien, où Ner'zhul récupère son corps, enfin le corps d'Arthas, etc. Mais tout ça sera retcon à Wrath of the Lich King. Je vous laisse évidemment aller voir aussi les vidéos sur Wrath of the Lich King et Bolvar et la fin de Wrath of the Lich King pour en comprendre un peu plus. Ner'zhul a été un peu mis de côté par la suite alors qu'il est présenté comme un grand, tout simplement le Seigneur des Ténèbres, un être immensément puissant, quasi divin. Donc c'est assez rigolo et je vous invite bien sûr à regarder le manuel de Warcraft 3. Vous pouvez le trouver sur mon Discord dans les épinglés sur Warcraft, mais également le Chronicles, bon là lui faut le payer, hein. Chronicles 3. Et au final, c'est assez drôle de nous montrer comment on dépeint Ner'zhul comme un être semi-divin, puis en fait il s'est fait ensuite chier dessus en 2-2. Donc c'est toujours assez rigolo, sans aucune raison bien sûr, sans aucune raison valable. Donc ça c'est toujours assez marrant. En tout cas voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, plein de bisous, n'hésitez pas à liker, activer les notifications,
faire un tour sur le site et autres. Moi je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Bye bye. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux. Et oui, je chuchote comme le roi Lich.